Bonjour les Scorpions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage pro du mois de juillet 2021. Alors, tirage qui arrive avec un petit peu de retard, mais cette fois-ci, j'ai fait un tirage saisonnier professionnel, donc pour l'été. Ça m'a pris du temps et voilà, celui-ci, j'ose espérer qu'il s'inscrira dans un découpage en fait par rapport à ce que j'ai annoncé là pour l'été. Voilà, donc je vais utiliser le tarot italien, l'oracle G, 2 x 5 cartes. Je rappelle que vous aviez eu dans, on va dire, l'atmosphère de cet été 2021 au niveau pro, vous aviez eu en arcane majeur le pendu. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez changer de point de vue, attendre, ou alors carrément vous centrer sur l'essentiel, ce qui est important. Voilà donc un peu pour le cadrage, je dirais. Allez, les scorpions pour cet été, pour ce mois de juillet, pardon, 2021, dans le domaine professionnel. Quel est le message pour vous, les scorpions? Juillet 2021, quelle évolution sur ce mois de juillet 2021 au niveau professionnel pour vous qui êtes scorpion? Alors, on a la carte du 9 de denier. Le 9 de denier, ça signifie que vous allez tirer de grandes satisfactions au niveau professionnel. Il y a des résultats qui vous comblent et qui sont à la hauteur de vos espérances, je dirais. Donc, on part sur une note très positive là pour vous. Allez, les scorpions, juillet 2021 au niveau professionnel. Quelle est l'évolution? Alors, on a le 7 de denier, le cavalier de d'épée. Avec le 7 de denier, on voit qu'il y a du travail qui a été fait. Vous avez fait preuve de persévérance, d'endurance. Voyez, vous ne lâchez rien. En fait, on voit que, bon, peut-être vous récoltez pas. Enfin, à mon avis, ça c'est quelque chose qui est antérieur, d'accord? Mais comme vous aviez le 9 de denier, vous n'aviez pas récolté, je dirais, jusque-là, le fruit de vos efforts, de votre investissement. Et on dirait que au mois de juillet, soit vous allez avoir ce retour sur investissement, vous avez fait beaucoup de sacrifices, hein, c'est aussi la carte du pendu que vous avez à la coupe. Et là, peut-être allez-vous obtenir satisfaction. Voyez le 7 de denier, c'est on fait des efforts, mais on ne va pas forcément les résultats se profiler. Donc parfois on pourrait être découragé. C'est une forme d'attente quelque part, ou alors d'évaluation d'une situation. Mais en fait, cette attente, je pense qu'elle est peut-être au-delà, enfin surtout l'été, dans le sens où vous êtes en position de pendu. Mais en tout cas, fin du mois de juillet, vous allez déjà avoir, à mon avis, vu qu'on avait le 9 de denier, des résultats probants et encourageants pour la suite. Alors, ce cavalier d'épée pourrait nous dire que voilà, il y a des choses qui s'accélèrent, des échanges, des communications qui peut-être sont à l'honneur. Attention, parce qu'avec le cavalier de denier, il serait possible que ce soit des choses qui soient pas forcément dites de manière très avec douceur et bienveillance. Le cavalier d'épée, voyez, il est à fond sur son cheval, il a quand même une épée et il y va, il attaque. Donc il y a l'idée de passer à l'attaque. Peut-être, voyez, on vous tient des propos un peu vifs, un peu durs, ce qui pourrait entraîner, avec le 5 de coupe qui suit, des déséquilibres au niveau émotionnel. Hein, le 5 de coupe, enfin le 5, c'est déjà un équilibre qui est, on va dire, rompu. 5 de coupe, bien au niveau des émotions, des sentiments. Donc quelque chose qui peut être que vous regrettez d'avoir dite, hein, parce que c'est peut-être vous, Scorpion. Enfin, moi j'imagine que c'est vous, parce que c'est vous qui le ressentez ici, le 5 de coupe. Hein.
Donc, peut-être vous êtes un peu emporté, vous êtes allé un peu trop loin dans vos propos et c'est comme si vous le regrettiez. Ou alors, vous avez tendance à ressasser les choses et à vous dire, et si je, voilà, là, maintenant c'est irréversible, alors voilà, j'ai dit ça, j'aurais pas dû le dire comme ça, je me suis emportée. Donc, vous pourriez douter de vous et risquer de vous désavouer peut-être. Alors, je vais voir ce qui suit pour les scorpions sur l'évolution ce mois de juillet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous irritait parce qu'il y a des choses qui n'avançaient pas et vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts. Et à un moment, il suffit qu'on vous dise, bon, alors, c'est quand que... Et là, bam, vous explosez et vous dites, voilà, vous allez un peu trop loin et on dirait que vous le regrettez. Bon, ça ne remet pas en question, à mon avis, votre crédibilité parce que vous avez le roi de bâton. Donc, ça ne remet pas en cause votre capacité à entreprendre. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui se débloque et qui, voilà, qui finit par se débloquer. Ça a pris un petit peu de temps, ça vous a exaspéré autant que les autres, mais c'est presque comme si vous vous étiez senti visé, attaqué, ou alors c'est vous qui dites, bon, alors c'est quand qu'on reçoit ça, ou qu'on obtient ça, ou qu'on boucle ce projet, ce sujet, et voilà. Donc, on dirait que ça froisse un petit peu les... Ça vous froisse ou ça froisse. Bon, après, on voit que vous avez toujours l'assise du roi de bâton. Et cette capacité à entreprendre, c'est pour ça que ce retour sur investissement, moi je pense que vous l'obtenez dans le courant du mois de juillet même. Allez, pour vous les scorpions, juillet 2021 au niveau professionnel. Alors, je prendrai les deux. On a la... L'impératrice et le 5 de denier. Alors, vous avez une volonté d'entreprendre avec le, je disais, le roi de bâton et d'aller de l'avant, de faire des projets sur le long terme, de construire quelque chose, de décider. Ça vous demande pas mal d'inventivité, de créativité, d'innovation aussi, faire appel à votre imagination. Néanmoins, pour que ce projet se mette en place, il vous manquerait, a priori, avec le 5 de denier, des moyens financiers, donc ou matériels, qui fait que c'est un peu, vous êtes un peu dans l'incapacité de, bien que les idées soient là, bien que on se projette à long terme, on se dit bon pour je sais pas, premier trimestre 2022, j'envisage ça, ou pour dans 3 mois, mais quelque part, il y a des manques, choses qui font défaut. Ça peut être, par exemple, vous n'avez pas le local, ou vous n'avez pas l'apport en capital nécessaire, c'est aussi ça. Donc ça peut être compliqué pour vous parce que vous cherchez les moyens de concrétiser quelque chose pour, enfin, au-delà du mois de juillet. Allez, pour vous, les scorpions, avec l'oracle G, quelle est l'évolution sur le mois de juillet 2021 au niveau pro pour les scorpions? Alors n'oubliez pas que je propose un jeu de concours pour gagner des consultations privées gratuites, bien sûr. Donc pour cela, vous allez dans l'onglet communauté, vous pouvez liker ce post et suivre tout ce qui est indiqué justement pour multiplier vos chances de gagner ce tirage. Donc je vous invite bien sûr à soutenir ma chaîne, à participer, à liker, partager la vidéo et voilà, me laisser un commentaire pour m'indiquer que vous participez. Vous verrez tout ça dans le fonctionnement, dans l'onglet communauté.
Alors ici, on a la carte du coquillage. Peut-être vous attendez des réponses qui viennent de l'étranger. Ça peut être un partenaire commercial qui doit vous donner une réponse, une autorisation, peut-être un visa que vous devez obtenir, quelque chose de professionnel. Et on a l'impression que, voilà, quelque chose qui serait en rapport avec l'étranger ou un autre département, vous êtes dans cette attente. Non seulement, je pense, c'est peut-être des fonds qui doivent être débloqués, mais ça peut être également tout ce qui empêcherait physiquement soit un déplacement, soit la livraison de matériaux, conteneurs, peu importe quoi. Allez, pour vous les scorpions. Oui, là, vous voyez, c'est le cavalier d'épée. Quand je disais, c'est peut-être des mots que vous prononcez qui sont un peu trop. Vous êtes un peu trop sévère ou sec, ou dans vos propos, c'est un peu mal dit. Je pense que ça a un rapport avec le fait que il n'y a pas suffisamment de prise en compte de la dimension psychologique des personnes peut-être à qui vous vous adressez. C'est peut-être pour ça que vous regrettez aussitôt, je dirais, parce que bon, cette personne-là, peut-être elle avait fait tout un tas d'efforts sur autre chose et là, voilà, ce qu'elle mérite, voilà, elle était déjà au bout, elle était déjà dans un état assez fragile, et là ça rajoute. Alors c'est peut-être pour ça que vous regrettez. Alors là, il y avait trop de cartes. Hop, ça y est. Alors on a ici la carte du jeune homme. Donc le jeune homme, bien on indique par ce biais de cette carte que ça serait peut-être le fait que vous vous êtes justement, vous avez peut-être agit avec une certaine forme d'immaturité, dans la précipitation peut-être. Et c'est ce qui fait que vous regrettez vos propos parce que vous avez été, je pense, impulsif. C'est possible. Et on vous dit, bon, écoutez un peu peut-être les anciens, ou faites preuve de plus de sagesse. On voit que vous retrouvez de toute façon. En fait, c'est comme si vous aviez eu des propos qui n'étaient pas à la hauteur de votre statut. Bon, ça s'arrange, hein, aucun problème. On a l'étoile déjà avec la carte de. Ça remet pas en question, je disais, votre statut. Ce n'est peut-être pas à la hauteur de votre poste, de vos fonctions. Mais on voit qu'il y a réparation, que la carte de l'étoile, ça augure de justement de réconciliation, d'apaisement. Allez, les scorpions, une dernière carte. Oui. Alors, vous voyez, le projet, c'est une construction de quelque chose à plus long terme. Mais vous avez peut-être tout calé au niveau des plans, du business plan. Ou alors, si vous changez de locaux, tout est OK au niveau des plans. Vous avez bien pensé à tout ça. Mais là, vous attendez un financement, a priori. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, moi je pense que vous attendez de toute façon des réponses. Vous pourriez être déçu sur la manière dont on vous, dans une première partie du mois de juillet, dans la manière dont on vous répond, ou les raisons qu'on invoque pour vous dire ce qu'on a à vous dire. Par contre, on voit que vous avez des perspectives de long terme. À partir de la fin du mois de juillet, vous arrivez à y voir un peu plus clair. Vous faites preuve d'idées nouvelles. Peut-être vous allez postuler dans un secteur innovant, dans lequel qui demande beaucoup plus de créativité, ou en tout cas, c'est pas un secteur dans lequel vous aviez jusque-là que vous aviez jusque-là investi. Il y a peut-être un renouvellement de votre part. Néanmoins,
Peut-être un manque de moyens, ça peut être par exemple absence de véhicule pour se déplacer, parce que si c'est en ville et que vous, voilà, vous habitez plus loin, ça pourrait être compliqué. C'est possible aussi que vous manquiez d'une formation, donc je pense que vous allez essayer de... Voilà, vous êtes un peu dans l'attente parce que, à mon avis, vous attendez des réponses de ce côté-là. Bien, les scorpions, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à voir le tirage trimestriel juillet, enfin juin, juillet, août, qui définit plutôt les enjeux, l'enjeu majeur de ce trimestre-là. Le tirage de l'été, bien sûr, au niveau pro. Et si vous vous abonnez, vous serez notifié des tirages sentimentaux que je vais réaliser prochainement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me met davantage en avant. Ça me donne davantage de lisibilité, visibilité. Donc, c'est profitable pour moi. Voilà. En tout cas, je vous invite vivement à participer à ce jeu concours et à le faire connaître à vos amis aussi pour que, voilà, ils aient... une chance également de le gagner. À très bientôt, je vous remercie. Au revoir.